Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Je vous fais une petite vidéo rapide, déjà parce qu'il y a du vent. C'est des conditions de tournage vraiment compliquées. Il y a une tempête de vent au-dessus du Fize. Nous sommes au Fize, c'est annoncé. Encore une fois, on a un stand unicorn. On va en reparler. L'emplacement, il est là. On va en reparler aussi. Cette année, j'ai essayé de venir plus en mode visiteur et pas en mode pro comme j'ai pu venir chaque année. Alors attention, pas pro rider, on se calme tout de suite. Mais plutôt en mode pro sur la marque unicorn, à parler avec d'autres partenaires, tout ça. Là, l'idée, c'est juste de kiffer le Fize comme j'ai kiffé il y a 5-6 ans, la première fois que j'ai découvert. Du coup, il y a quand même un stand unicorn. Il est juste là, derrière moi. Je peux pas vous le montrer, il y a trop de vent. Si je vous le montre, ça va faire trop de vent. Croiser 4 personnes là sur le Fize, 4 abonnés qui m'ont fait hey mec et tout. J'ai eu des compliments sur l'Unicorn House et sur mes vidéos de travaux. Pour de vrai, cette année j'ai pas envie de faire juste un stand et vous venez acheter. C'est un stand que vous pouvez acheter bien sûr, mais j'ai aussi envie de me poser, de discuter avec vous de certains projets. J'ai plein d'idées et avant d'en parler concrètement en vidéo, j'aimerais en parler avec vous pour savoir si je suis dans la bonne direction. Ça concerne Unicorn, donc c'est des acheteurs Unicorn et j'en parle avec vous. Et après ça concerne aussi les vidéos, donc si vous êtes abonné et que vous passez au Fize et que vous voulez venir me voir et qu'on discute, je serai là. Je sais pas quand. Pour de vrai, j'ai pas fait de planning. Je vais pas vous dire je serai là à 10h, ça se trouve je vais me lever à midi. Et je vais pas vous dire je serai là à midi, ça se trouve je vais me lever à 10h. Donc je serai là le plus souvent possible. On pourra discuter de tous les futurs projets. Je pourrais vous donner un peu d'exclus sur les futurs projets de ma chaîne. Mais voilà, bref, c'était une petite vidéo pour dire on est au Fize et j'ai pas juste envie de faire un magasin. J'ai vraiment envie de faire un lieu de rencontre où on peut discuter. Parce que j'ai l'impression, en tout cas avec les vidéos de travaux, que la communauté est en train de se ressouder encore plus qu'avant et j'ai droit à des montagnes de compliments. Mais c'est vrai que c'est trop agréable de passer qu'un mec me dise mec tu gères les travaux. Alors qu'on sait tous que c'est faux. Mais ça fait plaisir. Donc on va vous montrer le Fize quand même, parce que chaque année c'est différent. Les parcs ont évolué, il faut qu'on vous montre ça. Donc on va vous faire un petit tour rapide du Fize. C'est une petite vidéo pour vous dire voilà, c'est la surprise de cette année, je l'avais pas annoncé le Fize. C'était un peu compliqué dans tous les sens, mais ça c'est fait. On est là et j'ai une autre surprise à la fin de cette vidéo. On a un nouveau partenaire, il faut qu'on en parle. Mais avant, le Fize. We are back, Montpellier! This is the party and this is the peace. Pause, vous avez vu, il y a beaucoup de monde au stand, mais voilà, BMX Avenue est un nouveau sponsor de la chaîne et de la Unicorn House pour les futurs projets et les futurs événements qu'on va mettre en place. Je trouvais ça intéressant quand même de vous le montrer. Ils ont monté mon BMX de A à Z, il est incroyable. Mais en tout cas, si vous êtes au Fize et que vous voulez peut-être acheter un vélo, acheter des fringues, des chaussures, des skates, tout ce que vous voulez, passez au shop BMX Avenue. On se dit à très bientôt et n'oubliez pas de passer nous voir, que ce soit l'équipe ou moi, au stand Unicorn. Il est placé juste ici. À très bientôt, salut!